Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir sur cette table ronde, cette rencontre autour des revues d'architecture que je vais laisser Joannie Bouffier-Hartmann vous introduire et qui sera complétée par Yannick Kevarek, qui est directeur d'entrevue et organisateur du Salon de la Revue, qui est un partenaire essentiel pour ce soir. Joannie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Hugo. Donc, bienvenue à toutes et tous ce soir. On est très heureux de vous accueillir et d'accueillir ce soir trois revues et la librairie Volume, avec Samuel ici présent. Donc, c'est l'ouverture en fait d'un programme, enfin, d'une programmation autour des revues d'architecture. Du mois de l'architecture et du salon de la revue, comme Hugo le précisait. La maison de l'architecture vous accueille ici avec l'ordre des architectes. Pourquoi évidemment, je regarde mon anti-sèche. Je voulais simplement dire aussi que la programmation autour des revues se développe avec un atelier jeunesse qui aura lieu mi-octobre. Composer une revue autour de l'architecture et de la ville, et également une promenade urbaine aussi mi-octobre qui nous conduira dans le Marais, de la caserne des Minimes jusqu'à la halle des Blancs-Manteaux où se tient le salon de la revue. Donc les revues d'architecture et également sur la ville, sur l'urbanisme, sur le paysage, questionnent nos pratiques aussi, en tant qu'architecte, en tant que profession, et sont vraiment des lieux d'expression, de débat, qui sont essentiels, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Donc, moi, je suis très heureuse qu'on aborde cette table ronde aujourd'hui. Merci, Joannie. Merci à la Maison de l'architecture et à l'Ordre des architectes d'Île-de-France pour cette invitation. Oui, je suis donc directeur de l'association Entrevues et on saisit toutes occasions de parler des revues. Et la première question qui nous est posée le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'une revue ? Nous cherchons, nous, toujours la définition a minima, à savoir que nous travaillons les revues culturelles. Quand je dis nous travaillons, notre mission principale est de diffuser de l'information sur les revues francophones, culturelles, vivantes ou autant que possible. À travers notre site et l'annuaire entretenu jour après jour, quelques 2500 références. Pour l'architecture, c'est à peine quelques dizaines. En fait, c'est un milieu vraiment spécifique où alors les revues qui vont mêler les différentes thématiques, littérature, poésie, le paysage, tu l'as dit, l'urbanisme, l'image, la photographie, le dessin ou autre, et quelques revues d'architecture pure, si je puis dire, ou du moins de réflexion, de commentaires, de critiques sur l'architecture. Et par ailleurs, l'autre gros moment fort et point fort de nos activités, c'est effectivement le salon de la revue. C'est étrange, c'est dans 10 jours. Non, je n'ai pas le trac, je ne suis pas inquiet, nous le préparons actuellement. Donc au Blancs-Manteaux à Paris, et c'est un événement unique, je ne dis pas ça pour nous vanter, nous et ma nombreuse équipe, mais simplement c'est le seul au monde, à notre connaissance, à ne réunir que des revues, c'est-à-dire ces objets qui existent entre le livre qu'on trouve en librairie, la presse qu'on va trouver en kiosque et maison de la presse, donc des objets un peu plus incertains, du moins avec des structures et des modes d'existence sinon spécifiques, du moins souvent très artisanaux, et par là même, ils ont beaucoup de mal à se faire savoir. Je crois que ça fera partie du témoignage des trois revues invitées ce soir, que nous connaissons pour certaines, Polygone par exemple, Plan Libre, que j'ai découvert moi il n'y a pas si longtemps en fait, j'ai fait le voyage jusqu'à la Cité de l'architecture, et L'Épopée, qui est une découverte, je m'en réjouis d'avance. Et donc lorsque je disais un moment unique au monde, c'est qu'on ne connaît pas d'autres salons de la revue. Il y a des salons du livre de différents types, des salons d'auteurs, des salons d'éditeurs, tenus par des libraires, maillons essentiels à la diffusion de ces objets de savoir, de connaissance et de plaisir. Mais un salon qui ne réunit que des revues, ben c'est le seul. Alors j'espère que vous êtes disponibles les 14, 15 et 16 octobre. Donc je n'hésite pas à vous dire à bientôt et passe la parole, repasse à Hugo. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Je vous propose d'accueillir tout de suite nos
trois revues. Venez, rejoignez-moi sur scène, nommément Plan Libre, Polygone et l'Épopée, représentées par Johan Pouzinck, Nicolas Housset et Emmanuel Pardini. Alors, allez-y, hein, à votre guise pour le plan de table. C'est Plan Libre. Vous savez, c'est un exercice pas forcément simple de faire une sélection des revues à vous présenter ce soir, parce que ça a été dit, elles sont pas nécessairement nombreuses, mais elles sont extrêmement diverses. Elles vont explorer des territoires qui sont à la frontière de l'architecture. Elles sont parfois très établies, mais le plus souvent, ça a été rappelé par Yannick Kevarek, très artisanales. En tout cas, elles sont toujours extrêmement intéressantes parce qu'elles offrent un espace dans lequel parler d'architecture, ça d'accord, mais aussi confronter l'architecture à d'autres disciplines, à d'autres regards, à d'autres points de vue, à d'autres champs d'expertise, quitte à s'en éloigner parfois, quitte à s'en extraire. Mais c'est sans doute ce qui les rend aussi si enrichissantes dans leur exercice, dans leur singularité. C'est aussi, et on en reparlera un petit peu ce soir, je pense, un des rares espaces dans lesquels on peut penser en toute liberté, mais aussi critiquer, hein, pourquoi pas, si on le souhaite. On va se présenter, je le disais, je suis avec Johan Pouzin, qui est directrice de la Maison de l'architecture Occitanie-Pyrénées, et vous verrez que la revue Plan Libre et la Maison de l'archi Occitanie-Pyrénées ont un destin commun particulièrement entremêlé, avec Nicolas Housset, qui est rédacteur en chef de la très jeune revue Polygone, très jeune mais très remarquée, et avec Emmanuelle Pardini, qui est cofondatrice de la revue L'Épopée, dont on vous dira aussi un mot tout à l'heure, qui vous propose une autre forme de voyage et une autre forme d'expérience architecturale, notamment à travers des parcours de vie et une thématique bien précise qui est celle des personnes âgées. On va aborder plein de sujets ce soir, mais je voulais d'abord quand même qu'on commence par se présenter, en commençant par vous, Nicolas Housset. Qui êtes-vous? Je veux dire la revue Polygone. Alors, qui êtes-vous? Il faut Polygone. Prendre un micro. Hein. Alors, du coup, la revue Polygone, revue d'architecture et de société. Déjà, c'est une revue qui a, je considère, deux naissances. La première, je dirais, à la fin de l'année 2019, donc, c'est-à-dire les premières, discussions entre ceux qui ont fondé la revue Polygone, et une deuxième naissance un peu plus officielle qui est en 2021, avec la publication du premier numéro, du coup le numéro 0 pirate. Je vous expliquerai peut-être un peu plus en détail après le choix de ce mot pirate et le choix aussi du numéro 0. Du coup, revue créée par six jeunes architectes qui se sont rencontrés à Paris, évidemment, dont je fais partie. Et donc, Quentin De Jong est présent ici dans le public. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de développer encore? On a aussi rencontré, effectivement, pour construire, en fait, tout simplement, cette revue. On a aussi rencontré une graphiste qui a rejoint l'équipe Polygone pour pouvoir mettre en page et magnifier, en fait, le contenu de cette revue. Alors, quand on s'est parlé pour préparer cette rencontre, un mot qui est ressorti, une phrase qui est ressortie, c'est qu'il dit mot consent, et que le but du jeu, c'était de se créer, exactement ça, un espace d'expression, s'autoriser à dire ce qu'on ne se sentait pas autorisé à dire par ailleurs. Effectivement, je ne dirais pas qu'on ne s'est pas reconnu dans les autres revues, mais en fait, c'est aussi souvent une question qu'on nous pose, pourquoi avoir créé une revue d'architecture alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent déjà ? Tout simplement parce qu'on voulait aussi créer une revue qui nous ressemble. Il y avait aussi un côté... c'est l'identité de la revue qui nous intéressait. Et on n'avait pas forcément trouvé beaucoup d'autres lieux d'expression pour des jeunes paroles, en fait, pour une génération de jeunes architectes, de jeunes artistes, de jeunes personnes d'autres disciplines. Donc on a décidé de créer notre propre lieu de parole. Et du coup, à l'instant, du coup, je le dis, le lieu de parole, c'est que notre but était d'exister en tant qu'architecte, en tant que jeune architecte, donc d'exister par l'écriture. Et je pense que vous allez le découvrir ce soir, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'écriture et pas la parole
parce qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec l'oralité. Alors que vous aviez une affinité plutôt avec l'écriture, tout archi que vous étiez. Effectivement. Et que vous êtes encore. Donc c'est vraiment l'écriture qui nous a effectivement soudés. Et ensuite, l'autre partie, c'était d'exister et de faire exister aussi les autres paroles. Ce n'était pas seulement créer un lieu pour nous, c'était aussi créer un lieu pour pouvoir accueillir d'autres paroles. Vous voyez apparaître sur votre écran Plan Libre, pas le dernier, mais un des derniers numéros. Plan Libre, je le disais, Joanne Pouzin, que c'est une revue bien connue, en tout cas très établie. Vous voyez le chiffre 194. En réalité, vous approchez maintenant dangereusement du 200e numéro. Je le disais, vous êtes très lié à la maison de l'archi Occitanie-Pyrénées, mais rappelez-nous qui vous êtes et d'où vous venez en tant que revue. Plan Libre, c'est le journal de la maison de l'architecture Occitanie-Pyrénées. Donc, c'est comme ça que c'est indiqué toujours sur la couverture. On est dans cet entre-deux dont parlait tout à l'heure le directeur de Entrevue, parce que finalement, on est un journal, mais on est une revue, c'est-à-dire qu'on est un journal non distribué en kiosque. Donc on a cet aspect un petit peu fragile. Vous voyez effectivement la forme journal, vous pouvez aussi vous rendre derrière au point volume pour le constater par vous-même. C'est très agréable comme format dans les cafés en fait, parce que c'est toujours quelque chose qui est assez grand et qu'on aime bien développer. Mais c'est né en 2002 et c'est pour ça qu'on arrive maintenant au numéro 200, qu'on est en train de préparer d'arrache-pied avec une grosse équipe en réalité. Parce que Plan Libre à la base c'est une initiative collective. C'est-à-dire qu'au moment où naît la Maison de l'architecture Occitanie-Pyrénées, elle naît autour de deux projets. Le premier qui est le prix d'architecture Occitanie, le deuxième qui est la revue Plan Libre. Elle naît en même temps que l'Ordre, parce qu'il y a une élection commune en fait, qui fait que l'Ordre propose un programme culturel pour aller avec, et c'est la naissance de la Maison de l'architecture Occitanie-Pyrénées à ce moment-là. Au début, on va le voir parce qu'il y a la première couverture qui est là. Au début, Plan Libre se positionne comme un journal critique régional dans lequel il y a en même temps des informations ordinales qui permettent aux architectes, donc plutôt à vocation des architectes, mais pas seulement, on le découvre aussi en regardant dans les archives, pour comprendre un peu plus l'architecture ou les débats qui animent la ville ou la région. Aujourd'hui, on est sur une autre dimension, une autre ambition avec ce journal qui est fabriqué tous les mois. On sort 10 numéros par an. On y travaille beaucoup et ce n'est pas très facile, avec des contributions qui sont maintenant thématiques. C'est-à-dire que plutôt que d'être le porte-parole de l'Ordre, c'est devenu d'un côté le porte-parole des activités culturelles en France par une partie Gazette, mais il y a trois autres contributions aujourd'hui qui sont toujours thématiques et qu'on travaille ensemble en équipe. Je pense qu'une des particularités du journal, c'est pas les sujets qu'on traite. On essaie de trouver des sujets qui sont jusque-là peut-être moins abordés, moins regardés, et de les regarder avec un regard objectif ou de réalité. On verra effectivement tout à l'heure un petit échantillon des derniers sujets que vous avez traités, qui sont parfois des petits, parfois des gros sujets, mais qui sont en tout cas des sujets parfois un peu cachés derrière le voile des apparences et le voile de la conversation architecturale et urbanistique. Vous l'avez dit, 20 ans, 10 numéros par an égale 200 numéros, nous y sommes. Il y a eu des changements sur cette longue période de temps. Vous avez commencé, par exemple, comme un gratuit, si je ne me trompe pas. Alors, oui et non. C'est-à-dire, c'était sur le premier, il y a marqué 2 euros. Mais il était distribué gratuitement à tous les architectes de la région Occitanie, parce qu'il y avait un partenariat qui était fait directement avec l'Ordre des architectes, qui les distribuait comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le trouver ni en librairie, ni nulle part, sauf à la Maison de l'architecture. Donc finalement, oui, il était gratuit, mais on aurait pu l'acheter, quoi. En gros. Donc en fait, c'est peut-être une des particularités, c'est qu'effectivement, c'est un journal qui est aussi subventionné à travers l'association de la Maison de l'architecture. Donc on n'est pas tout à fait dans le même contexte, je pense, économique que les autres. On a beaucoup de chance, mais c'est toujours un équilibre qui est fragile, comme le format sur lequel on est. On aura l'occasion de revenir sur vos,
vos différents modèles, mais dont on comprend bien qu'ils tiennent tous grâce à l'huile de coude que vous pouvez mettre dans la machine. Emmanuel Pardini, pour terminer ce premier tour de chauffe, l'Épopée aussi, c'est une revue relativement jeune, assez jeune. Vous en êtes vous travaillez actuellement à votre troisième numéro, si je ne me trompe pas. Et c'est un projet que vous copilotez à deux, toutes deux n'étant pas nécessairement. Le projet n'est pas strictement architectural. Dites-nous tout. Non, c'est une revue qui est assez hybride, du coup, qui est née d'une rencontre entre Julia Valvé et moi. On s'est rencontrés dans le cadre de nos activités professionnelles où on se retrouvait sur la valorisation du territoire. Elle plutôt d'un point de vue donc médiation culturelle, urbanisme, architecture, et moi plutôt sur un volet alimentation. Mais on avait toutes les deux voilà cette attention au territoire et aux habitants. Et en fait, ensemble, on a assez vite voulu monter un projet ensemble et on voulait faire un guide de territoire où ça serait les habitants qui viendraient nous présenter chez eux. Tout de suite, on a voulu que ce soit un format assez hybride, voilà, entre le roman, le guide, le côté revue, article. Et puis, en poussant les réflexions, on s'est demandé mais qui seraient ces habitants qui viendraient nous guider. Et puis, on s'est dit que ça pourrait être en fait nos aînés, les personnes âgées. Donc ça, c'était un choix à la fois personnel, puisqu'on a une histoire avec nos grands-parents, et puis aussi un constat de se dire c'est des gens qu'on voit peu dans les villes, des gens qu'on écoute peu, qu'on entend peu, et qui pourtant connaissent tous les savoir-faire, connaissent bien le lieu qu'ils habitent, où c'est des gens qui ont encore peu, au final, déménagé, contrairement plutôt à nos générations. Et donc voilà, et c'est comme ça que pour le premier numéro, Micheline est venue nous conter sa Normandie. Et donc Micheline, 86 ans, qui comme ça nous fait donc découvrir. Donc on parle de territoire, c'est un territoire de vie, on n'est pas sur un territoire administratif. Donc c'est essentiellement la Normandie, mais elle a quand même bougé, elle a eu des histoires d'amour, elle est partie à droite à gauche explorer la France. Et en fait, à partir de cette vie, on tire des ficelles sur des sujets dont ils nous ont parlé, où on fait un peu la petite histoire mise en rapport de la grande histoire. La Normandie d'après-guerre, c'est forcément, par exemple, la reconstruction de Caen. Donc, elle nous parle de ça, que quand elle se balade, elle marche sur les débris. Et donc, nous, on va enquêter sur la reconstruction de Caen, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça fait intervenir. Donc, c'est vous qui faites ce travail de réinterprétation urbanistico-territorialo-paysagère, par exemple. Oui. Et aussi des sujets beaucoup plus sociologiques, de mettre en nourrice ses enfants quand on est une femme qui travaille, des recettes de cuisine pour avoir des sujets un peu plus légers, et après des sujets forcément liés à la vieillesse, la fin de vie, choisir sa sépulture, des trucs un peu moins rigolos, mais dont il faut parler. On va revenir tout à l'heure sur la forme, mais il faut préciser que tous les deux, vous avez, peut-être vous pouvez les montrer là visuellement au public, vos deux revues sont, elles, tout l'inverse de Plan Libre, qui est plutôt un journal. Vous êtes, vous, très proche du format livre. Hein. On parlait tout à l'heure de cet entre-deux, de cet hybride. Oui, pour nous, c'est important déjà d'avoir cet objet livre qui dure dans le temps. Qu'on puisse échanger, se passer, aller à l'opposé des réseaux sociaux, de quelque chose de totalement éphémère. Puis le format aussi livre avec cette cible personne âgée, donc avec une écriture assez grosse, une typo assez grosse pour pouvoir être bien lisible. Donc nous, ouais, on était vraiment attachés à cet objet livre. Nicolas, même sujet, c'est un petit pavé déjà, Polygone. D'accord, oui. Entre nous, on l'appelle honnêtement la brique, pour vous dire un peu comment est-ce qu'on l'imagine, comment on l'image. Effectivement, on a aussi des formations professionnelles. C'était une volonté d'architecte déjà d'avoir quelque chose de palpable, de matériel. Ça, c'était absolument obligatoire pour nous. On nous a pourtant, à nombreuses reprises, plutôt envoyé vers des revues numériques. Ça aurait pu aussi être une solution, mais nous, on voulait absolument avoir cet objet, en fait, qu'on pouvait prendre dans les mains, qui avait une certaine
sensibilité. Enfin, bon, il y a une certaine odeur, une certaine texture, etc. Et effectivement, on est plutôt, je dirais qu'on est plutôt du côté effectivement du livre. On pourrait peut-être même faire des mots valises. C'est peut-être une revue livre, un revivre ou de l'autre côté, je ne sais pas encore comment le définir, mais. Et en plus, de toute façon, en termes de fréquence, pour avoir discuté avec quelques acteurs du monde de la revue, normalement, une revue est censée sortir tous les ans, voire même moins, enfin, une fréquence plus courte qu'un an. Le numéro zéro date de quand ? Numéro zéro date le premier tirage de janvier 2021. On a eu un deuxième tirage en avril 2021. Effectivement, là, le prochain numéro sur l'amour, dont je vous reparlerai un peu plus tard, doit sortir plutôt en début d'année prochaine. Donc on a un peu étiré effectivement étiré les temporalités. Non, mais personne ne vous en voudra. Vous commencez déjà à ce stade à vous faire peut-être un début d'appréciation sur la diversité la diversité qui vous unit, en tout cas sur les singularités de chacune des revues et aussi sur quelques fils rouges, quelques points communs. Il faut maintenant qu'on ouvre les pages de vos revues et qu'on parle un peu du fond de ce que vous abordez dans vos revues. En commençant par vous, Plan Libre, Joanne Pouzin, que vous avez commencé tout à l'heure par nous dire que vous vous intéressiez à des objets parfois mal aimés de la ville. Vous voyez ici une sélection, c'est une quinzaine de numéros précédents, récents, la quinzaine de numéros les plus récents disponibles sur le site, ce qui est très appréciable d'ailleurs. On peut le souligner que Plan Libre a mis ses presque 200 exemplaires téléchargeables librement en PDF sur son site. Donc vous voyez des choses très diverses. Bon, les ronds-points, les villes moyennes, ça c'est un peu à la mode. Il y a nos vies domestiques, il y a construire des images, il y a prendre le soleil. Vous en avez fait sur la baignade. Comment vous sélectionnez ces sujets-là et qu'est-ce que vous en dites derrière ? On ne les a pas toujours sélectionnés peut-être de la même manière. On travaille déjà en équipe et il y a une équipe qui est très forte, qui est une équipe d'architectes qui est à la rédaction en chef, qui est l'équipe de MBL, Martinez Barra de Lafort, qui propose des sujets qu'on discute. Aujourd'hui, on a la chance de discuter ces sujets sur des résidences où on se rassemble et où on discute de tout ça. J'ai toujours un petit pincement sur certains sujets. Il y en a desquels je suis très proche, d'autres pas du tout. Et en fait, je pense que quand c'est pas du tout, ben c'est super. Parce que du coup, on peut être sûr qu'on va apprendre et qu'on va chercher les meilleures manières de parler de ces sujets-là. Et moi, ce qui me passionne dans le fait de travailler avec cette équipe, c'est que c'est jamais attendu. C'est-à-dire que à la rédaction en chef, il y a toujours des sujets comme ça sur lesquels on pourrait aller directement d'une certaine manière. Exemple, ville moyenne, on peut imaginer qu'on va prendre en photo, du coup, pour la partie portfolio ou graphique, des villes moyennes ou des cartographies de villes moyennes. Pas du tout. Au final, ce qui en ressort, c'est la couverture qu'on voyait avec un reportage sur la domesticité. Voilà, dans les villes moyennes. Et du coup, il y a toujours cette espèce de contrepoint qui permet d'aborder des sujets de manière transversaux aussi, parce qu'on a plusieurs types de formats à l'intérieur du journal, qui sont le portfolio, le projet, entendu non pas comme le résultat d'un projet architectural, mais comme le processus d'un projet, une enquête et une critique. Donc chaque format est différent et nous permet vraiment d'être transversal sur les différents sujets. Pour le dire rapidement, un numéro égale une thématique égale quatre formats. Bon, pareil, on ne vous en veut pas si parfois vous variez un petit peu les plaisirs. Il faut préciser que c'est une impulsion de votre nouvelle rédaction en chef que d'avoir, de plus être dans une posture attentiste vis-à-vis de sujets qui pourraient arriver de ci, de là, mais d'imposer une thématique, d'imposer une réflexion. Oui, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait un comité éditorial qui était réuni collectivement et qu'il y avait des opportunités qui venaient en fonction des affinités ou des rencontres avec des sujets qui étaient mis sur le tapis et mis ensemble en fonction de la longueur des articles. Bon. Quand j'ai pris la direction de la Maison de l'Architecture et que ces procédés éditoriaux avaient lieu, je trouvais ça extrêmement compliqué. Il y avait aussi une certaine fatigue parce qu'en fait, quand on dirige un journal, la dernière rédaction en chef, c'était
Mathieu Leny, qui est resté 6 ans à la rédaction en chef quand même de Plan Libre, qui est un sacré effort. Donc là, il faut toujours un renouvellement d'équipe. Donc c'est ce qui s'est produit. On a proposé d'en faire effectivement un journal thématique beaucoup plus strict, quelque part, mais qui nous permet d'avancer dans une direction commune. Ce qui est aussi une manière d'écarter l'actualité architecturale qui a pu être au début de Plan Libre, en particulier le cœur de métier. Quelle place reste-t-il aujourd'hui dans Plan Libre à l'actu, au chaud, au sujet chaud, et j'ai envie de vous poser la question aussi, à l'actualité ordinale qui était là, qui était le cœur du sujet au point de départ, il y a 20 ans. Il y a plusieurs raisons qui font que l'activité ordinale en elle-même n'a plus place dans Plan Libre, qui sont des raisons typiquement administratives ou financières. Donc, ce n'est pas tellement le propos. L'actualité, on a décidé d'un point de vue au niveau de la rédaction que Plan Libre ne soit pas un journal d'actualité. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas à ce qui se passe systématiquement et qu'on peut voir dans les news. Tout ça pourquoi ? C'est parce que c'est aussi un journal qui s'archive, en fait. Et donc, du coup, l'actualité, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir l'aborder avec le spectre de la réalité, ou du moins d'une objectivité qui s'installe. Du coup, les actualités, elles apparaissent strictement à travers la partie gazette, qui finalement est l'actualité culturelle autour de l'architecture. Et par architecture, on n'entend pas seulement l'architecture, évidemment, on entend l'architecture comme discipline culturelle, donc ça peut aller assez loin. Et aujourd'hui, cette gazette, elle est nationale, donc c'est quelque chose qui... Vous voyez ici, hein, la gazette, voilà. C'est vraiment une gazette. C'est vraiment une gazette, et c'est en partie centrale du journal, ce qui fait qu'en fait, à la fin, une fois que les actualités sont passées, soit on le garde en mémoire, mais en fait, on peut aussi l'enlever avec... dans la plupart du numéro, il y a aussi... quelque chose au milieu qui est le poster, donc on assume le fait qu'on peut enlever cette partie d'actualité et que ce qui reste, c'est finalement le contenu du journal lui-même. C'est très clair. C'est un point commun entre vous trois, d'ailleurs, de vous être un peu écartés de l'actualité. Hein. Vous êtes sur des sujets de fond, sur des tendances lourdes. C'est le cas de Polygone. Nicolas, tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été dit, mais il y a le mot pirate d'ores et déjà qui a été lâché. Il y a peut-être un autre mot qu'il faut prononcer maintenant. C'est l'ouverture sur la société. C'est le terme société qui est dans le titre de notre rencontre aussi. Saisis-toi de celui-là. Juste aussi pour revenir sur la notion d'actualité. Effectivement, nous, de par notre fréquence de publication, ça paraît compliqué de pouvoir réagir sur l'actualité à chaud, mais effectivement, c'est quand même quelque chose, nous, en tout cas, qui nous intéresse, l'actualité, et on considère en fait que ce temps, cette fréquence de publication qui là, en ce moment, varie plutôt entre un an et demi, elle nous permet d'avoir une prise de recul nécessaire en fait sur les choses. Ça nous permet, en fait, pendant ces 1 an et demi, de pouvoir totalement creuser un sujet, et aussi pour peut-être répondre un peu à la question de Yannick tout à l'heure, qu'est-ce qu'une revue ? Je pense que dans l'étymologie, il y a cette notion de passer en revue, de revoir quelque chose, et en fait, on se donne le temps, ou en tout cas, on donne le temps aussi à nos contributeurs et nos contributrices de revoir des événements de l'actualité, même si, encore une fois, on a des articles très historiques qui vont revenir, par exemple, sur l'édification du palais du facteur cheval, donc quelque chose d'assez ancien, qui n'appartient pas à l'actualité chaude. Et pour revenir aussi sur l'actualité et le mot pirate, nous, en fait, on n'est pas comme Plan Libre, on n'est pas rendu à 196 choix de thématiques, donc on a... ça va, le choix, il n'est pas trop difficile. Non, ce qu'il faut préciser, c'est que pirate, c'est une philosophie de projet au point de départ, c'est aussi la thématique du numéro 1, c'est effectivement du 0, devrais-je dire, du pilote. C'est la thématique, du coup, revue thématique, c'est la thématique de cette revue, de ce numéro. Mais c'est aussi l'identité, entre guillemets, de notre revue. C'est ce qu'on voulait insuffler, hein, côté un peu pirate, en dehors de ce qu'il se faisait avant nous, en fait. Et le mot pirate, comme ça, il peut paraître assez, peut-être assez puéril. On imagine directement une personne affublée d'un tricorne et d'un cache-œil. Nous, c'était plutôt comment est-ce qu'on peut pirater la société ? Comment est-ce qu'on peut aller au-delà des normes, au-delà des lois, etc. Que ça soit, encore une fois, dans le monde de l'architecture, mais à la fois dans la société. Et ça, c'est vraiment deux choses. Une chose importante pour nous, c'est que
Cette revue, elle traite d'architecture et de société parce qu'on pense, je pense qu'on n'est pas les seuls à le penser, que l'architecture et la société sont profondément liées, que la société est le cadre, entre guillemets, que l'architecture est le cadre de la société, si je m'inverse, c'est pas bon. Et aussi, en fait, la volonté, c'était de parler d'architecture et de société pour que les personnes qui ne soient pas forcément architectes soient intéressées par les autres contributions de la revue, donc on puisse aller chercher aussi un lectorat plus large, et aussi d'essayer de reconnecter les architectes avec la société, parce qu'on peut penser que dans certains projets qui ont été édifiés dans les 10-20 dernières années, il y a eu une déconnexion des architectes et de la société, de ses usagers, etc. Donc ça, c'était un point important pour nous, vraiment, de traiter des sujets assez vastes, donc d'architecture et de société, pas seulement une revue qui serait destinée aux architectes. Ça, c'est très important. Et alors, par exemple, très concrètement, dans Polygone numéro 0, thématique pirate, qu'est-ce qu'on lit ? Qui témoigne pour dire quoi ? Par exemple, on a un article, et là, ça paraît assez... imbu, c'est que je parle du mien, du coup c'est plus simple parce que je l'ai fait, qui s'appelle La Rue vers l'or et qui traite du coup des normes dans le monde de l'architecture et comment est-ce que, dans l'histoire de l'architecture récente, comment est-ce que les architectes ont réussi à se dépatouiller un peu de ces normes et ont réussi à produire des architectures de qualité en justement passant au-dessus de ces lois, au-dessus de ces codes. Donc évidemment, il y a le fameux Patrick Bouchain qu'on pourrait considérer comme un pirate, un peu plutôt pirate à sa manière. J'ai pas l'autre mot. Corsaire, exactement, plutôt. Mais beaucoup de choses comme ça, des projets dans Paris, comme le fameux ministère de la Finance, qui ne devait pas avoir ses piliers dans l'eau, qui finalement a eu ses piliers dans l'eau, parce que ceux qui ont gagné le concours ont décidé d'aller au-delà, en fait, des règles de concours. On a aussi un musée qu'a fait Lina Gotmé, si je me souviens bien, en Estonie, où elle devait construire son projet à un endroit particulier, et elle a décidé que justement cet endroit n'était pas le plus accueillant et le plus symbolique pour pouvoir faire son musée, donc elle a décidé totalement de construire dans un autre endroit. Donc en fait, c'est vraiment un passage en revue, en fait, de toutes les situations architecturales qu'on a pu voir ces dernières années, comme ça, qui abrogeait un peu les normes. Et sinon, les autres sujets, on parle aussi... Et encore, là, ce dont vous nous parlez, c'est de l'architecture pure et dure, mais votre volonté, c'est d'aller parler à, vous m'avez dit, des avocats, des danseurs, des... Exactement, on a par exemple l'article d'une avocate, pardon, qui parle, elle, de la piraterie au sens qu'on connaît, je pense qu'on connaît un peu plus, du coup, par exemple, les pirates somaliens, donc elle essaye de déterminer plutôt à quoi se confrontent ces pirates somaliens d'un terme juridique, du coup, d'un point de vue juridique, puisqu'elle est avocate. On a aussi une danseuse qui a fait une personne qui est danseuse qui a fait un article sur comment est-ce que la danse dans l'espace public peut aussi être porteuse d'engagement, en fait. C'est pas seulement danser pour amuser, il y a aussi une possibilité en tant que danseur ou acteur de rue de pouvoir distribuer, en fait, des messages à un public qui serait présent comme ça. Donc il y a une diversité de sujets, je ne les ai pas tous en tête. Je sais qu'on a aussi parlé du coronavirus, c'est peut-être l'un des seuls articles qui était le plus ancré dans l'actualité, parce qu'il a été écrit en dernier et que c'était un article commun, en fait, de ceux qui ont créé cette revue. Et évidemment, l'édito qui est toujours normalement le texte qui est le plus ancré dans l'actualité, parce qu'il est écrit, enfin, en tout cas pour nous, en dernier. En dernier. Emmanuel Pardini, vous nous avez déjà esquissé rapidement le portrait de ce qu'était l'épopée, à savoir cette mise en miroir entre un territoire et une personne. C'était du moins le cas pour votre numéro 1, une personne âgée. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour la suite, le numéro 2, le numéro 3? On change d'échelle et on change de récit aussi. Oui, on a voulu changer d'échelle. Donc le premier, oui, c'était une personne. Pour le deuxième, en fait, on a remporté un appel à projet culture et santé en Centre Val-de-Loire. Donc c'est permettre des projets culturels ou artistiques dans des établissements de santé. Donc nous, on est parti en EHPAD pendant un an sur des temps de résidence qui pouvaient... on a pu rester jusqu'à une semaine en EHPAD, où on dormait sur place, on mangeait sur place, on vivait sur place. On est arrivé juste après le Covid.
Donc on a été les premières personnes à pouvoir rentrer dans l'EHPAD, même avant les bénévoles. Donc c'était assez, des moments assez touchants. Puis c'était nous faire confiance, nous laisser débarquer. Et donc là, c'est 8 personnes. On a rencontré 8 personnes qui nous ont partagé leur vie. Alors avec des difficultés, parce qu'on était en EHPAD, donc des gens en grande précarité, fragilité. On a eu des personnes avec des problèmes cognitifs. Des personnes qui avaient du mal à s'exprimer. Pareil, ça a été des temps assez longs pour faire connaissance, apprivoiser. Et donc, on était dans la Brenne, donc, qui est une région magnifique, la région aux mille étangs. Donc, c'est la carte que vous pouvez voir là. Et donc là, on a vraiment donc, la personne sur la page de gauche, vous avez les récits. Donc, on écoute pendant une journée à une demi-journée. Donc c'est pareil, on peut dire qu'on est sur des temps longs, c'est vraiment on se pose et on écoute la personne. Et donc voilà, sur la page d'en face, on va réaliser un des articles donc sur le sujet dont la personne nous a parlé. Donc ici, de mémoire, ça doit être la pêche aux étangs, qui est vraiment une particularité de la Brenne, avec un système en fait assez intéressant de coopération publique-privée, puisqu'il faut vider les étangs, ils sont les uns au-dessus des autres. Donc il faut vider le premier et après les autres se déversent les uns après les autres et quand ils sont vides on vient pêcher voilà, avec des grands filets voilà, ça dit plein de choses sur le territoire, sur les façons d'habiter, sur les savoir-faire. Donc voilà, ça c'était le numéro 2, donc forcément avec des sujets plutôt liés au monde agricole. Pardon, avant d'arriver au numéro 3, je voulais souligner qu'on retrouve beaucoup ce dispositif page de gauche, page de droite, qui vous permet d'explorer, vous aussi, alors, plein de modes d'expression qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'architecture stricto sensu, de la recette de cuisine, du témoignage, du reportage, de la cartographie, de l'illustration. Oui, c'est vraiment toujours ça, c'est page de gauche, la vie de la personne, et à droite, en fait, peut-être qu'on en parlera après sur qui écrit, mais c'est nous, une fois qu'on a rencontré les personnes. Alors, il y a un peu cette surprise de quand on commence un numéro, on ne sait pas du tout de quoi on va parler. Ça, c'est un peu l'inconnu. À l'inverse de vos deux voisins. Oui. Et donc, ce qui fait la beauté et la difficulté de l'exercice. Et donc, il y a vraiment à chaque fois ce miroir, en fait, entre le récit sensible et on vient essayer plutôt de documenter ce qu'a dit la personne. Donc effectivement, on fait appel à des illustrateurs, on peut aller interviewer un écrivain parce qu'il a écrit sur le sujet, aller faire un micro-trottoir, retrouver des photographies, on prend aussi des iconographies personnelles. C'est vraiment très très mixte. Donc numéro 1, la Normandie avec Micheline. Le numéro 2, immersion en EHPAD dans la Brenne. Numéro 3. Alors là, on passe sur du très urbain, puisqu'on a posé nos valises à Nanterre. Donc pendant pratiquement un an, là, on a commencé en janvier, on fait le lancement le 19 novembre. Et donc dans un quartier politique de la ville, qui est le quartier de Chemin de Lille, qui est un quartier extrêmement enclavé, puisqu'il y a la Seine d'un côté, il y a l'A86 de l'autre, et il y a la voie ferrée. Donc c'est vraiment dans un triangle fermé. Et donc, c'est vraiment un quartier où les gens sortent très peu. Et puis, un quartier qui a été marqué par les bidonvilles. Puis, les cités de transit, donc avec une forte population aussi qui venait d'Algérie. Et donc, avec il y a 3 bailleurs sociaux qui se partagent le territoire. Donc, il y a la ville, il y a le GIREP, et puis il y a Adoma, qui est aujourd'hui la Caisse des dépôts, mais qui a été la Sona Cotral, donc vraiment quelque chose qui a été créé pour loger les personnes, les foyers de travailleurs. Donc là on a des sujets beaucoup plus, au final, urbains et en lien avec l'architecture. On a fait un partenariat aussi avec les CM2 de l'école du quartier, qui ont écrit 3 articles, et dont on les a interrogés sur qu'est-ce que c'est de vivre dans une tour. Donc ils ont fait du micro-trottoir, on les a formés au micro-trottoir. Donc c'était assez touchant de voir un peu les grandes gueules qui au final n'arrivaient pas du tout à aller parler en public et les petits timides qui s'en sortaient très bien. Donc il y a 2 tours qui vont être démolies. Donc il y a une des dames qu'on a rencontrée, Bernadette, qui dit qu'elle va être aux premières loges parce qu'elle est au 16e étage.
mais que l'ascenseur n'arrive pas jusqu'à son étage. Il s'arrête à l'étage d'en dessous, donc elle interroge les architectes de pourquoi ça ne va pas jusqu'en haut. Elle ne peut pas monter ses bouteilles d'eau. Puis la question de comment ça va être démoli, qu'elle était bien contente d'être première loge, mais est-ce qu'ils vont appuyer sur un bouton ou est-ce qu'ils vont venir gratter ? Donc pour vous, c'est l'occasion d'explorer les méthodes de démolition. On sert vraiment de tout ça pour aller faire nos enquêtes et explorer ce territoire et comme ça donner des clés de compréhension et aux lecteurs et aux gens aussi qui vivent sur place. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient un peu du mal à prendre du recul sur là où ils vivaient, autant leur appartement, leur immeuble que le quartier. Et ce que je trouve intéressant dans votre cas, l'épopée, c'est que vous vous êtes lancé à deux sur votre premier numéro, votre pilote, j'imagine en parallèle de vos boulots et de vos vies respectives. Puis, comme pour tous les trois, je pense, ça a un peu balayé le reste, c'est-à-dire que c'est devenu... maintenant, vous êtes à plein temps là-dessus ? Pas du tout. Pas du tout. On travaille toutes les deux à plein temps sur d'autres activités. D'accord. Donc, ça reste une activité on the side pour vous ? Oui. Mais n'empêche que là où je voulais en venir, c'est que dans le cas de l'épopée, la revue est devenue presque un outil de politique publique, puisque vous êtes allé parler avec l'ARS, avec l'ANRU, c'est bien ça, pour Nanterre, et que... le fait de pouvoir utiliser cet outil comme un moyen de générer de la mémoire en particulier, les a fortement intéressés. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans le processus de projet urbain, quelque part. Oui, on est rentré dans cette logique de projet urbain cette année, où du coup on a été financé donc, par les bailleurs, par l'ANRU du coup, aussi par la DRAC, un projet culture et lien social. Donc pour des projets dans des quartiers politiques de la ville. Et donc, il y a aussi la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et donc, oui, c'était pour tout ce travail de mémoire qu'il y avait à faire. Mais du coup, on retourne à une échelle plus petite l'an prochain. Mais oui, c'était une expérience à faire, mais on voudrait revenir à un projet. Du coup, on a monté une association qui porte le projet. On est une dizaine. Et en fait, on veut revenir à cette échelle. On reviendra tout à l'heure hein, d'ailleurs sur la manière dont vous vous structurez, la manière dont vous vous financez, parce qu'au départ, pour vous deux en tout cas, tout part d'un crowdfunding, d'une levée de fonds plus citoyenne. Je ne sais plus lequel de vous trois a dit, je crois que c'est toi Nicolas, c'est Johan qui parlait de... Non, je ne sais plus lequel de vous trois a dit que le but du jeu, c'était de s'éloigner du réseau social. De faire un objet. C'est peut-être toi. Ouais, c'est moi. C'est-à-dire de faire un vrai objet. C'est vrai que quand on pense à une revue, on pense à des objets, hein, c'est-à-dire à une identité. Et les vôtres sont bien marqués. Je le disais, Polygone a été très, très vu, très commenté, très suivi, en particulier sur les réseaux sociaux. Là, vous voyez un petit aperçu de votre compte Instagram. Vous êtes à combien ? 11 500 followers, c'est ça ? Parle-nous-en un petit peu de... Parler un peu des réseaux sociaux ou plutôt du... D'abord et ensuite de l'objet polygone. Oui, le réseau social, c'est plutôt... Enfin, comme pour tout le monde, je pense que c'est plutôt un relais. C'est pas... Là, effectivement, si on voit le nombre d'abonnés, ça donne l'impression qu'on accorde une importance. Effectivement, qu'on accorde une importance au réseau social, mais... Non, c'est un parti pris personnel hein, de le montrer, c'était pas une attaque. Okay. Mais effectivement, oui, on a eu cette chance d'être suivi, de participer à des événements, d'être comme disent les jeunes ou les moins jeunes, repostés, etc. Donc on a pu obtenir des followers. Très honnêtement, nous n'avons pas payé de followers, nous n'avons pas les financements pour le faire. Ça fait aussi partie effectivement des images qui ont pu fonctionner, qui ont été réalisées du coup par Quentin Dejong qui est... Voilà, là, c'est un piratage. C'est ça, exactement. On voulait finalement, au-delà de l'objet papier, en fait, qui du coup contient 36 contributions, on considère aussi que le projet graphique, c'est la 37e contribution, mais il y en a toujours plein d'autres. La revue, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, on essaye d'imager en fait, la thématique. Donc là, le but, c'était effectivement de pirater un peu toutes les librairies dans lesquelles on a la chance encore d'être. Là, je pense que c'est le Centre culturel suisse, donc c'était un petit piratage comme ça qui a
plutôt bon enfant. On ne l'a clairement pas fait, sinon ça aurait été un peu étrange, je pense, d'arriver dans un lieu comme ça, surtout avec un seul et même numéro. Et alors, sur l'identité, on parlait tout à l'heure du fait que Polygone, au point de départ, c'est un collectif d'architectes, plus... Une graphiste qui fait partie de l'aventure. Effectivement, pour dire partie de l'aventure, dans la partie graphisme, ça, on aimerait peut-être à terme plus l'intégrer dans la partie éditoriale, c'est-à-dire le choix des contributeurs, etc. Elle participe beaucoup plus, d'ailleurs, pour le deuxième numéro, dans le choix des contributeurs et des contributrices. Dans le premier, la rencontre était un peu plus... elle arrivait un peu plus après, en fait. Donc, effectivement, elle a pu seulement proposer le projet éditorial, toute l'identité graphique, donc il y a un gros travail, mais elle n'a pas forcément eu d'impact ou d'influence dans les choix éditoriaux. Et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre de plus en plus en place, en tout cas pour le second numéro, où elle nous a proposé aussi des gens, des contributeurs et des contributrices qui, elles aussi, l'intéressaient. Ouais. Et alors là, vous êtes en pleine gestation de votre numéro 1, qui est en fait votre numéro 2. J'imagine que vous êtes attendu aussi sur l'identité qui était un peu radicale, noire et blanche, etc. Vous savez un peu dans quelle direction vous allez aller pour ce numéro 2 qui s'appellera « C'est absolument Amour. Secret confidentiel. Non, effectivement, ça va s'inscrire dans la même lignée, mais juste pour parler un peu de l'identité graphique qu'on a pu voir tout à l'heure avec ce gif qui tournait. On n'a pas été très gentil, on a donné beaucoup de contraintes à la graphiste du coup qui travaille avec nous, contraintes économiques, donc c'est-à-dire que normalement la plupart du temps quand vous voyez une revue qui fait 16-24, donc 16 cm par 24 cm, c'est un choix complètement économique, c'est le choix chez l'imprimeur qui est le plus économique, donc clairement ça n'a pas été forcément un choix, mais ça on le revendique aussi, on a voulu à l'inverse, au lieu d'utiliser plus de financement dans le format de la revue, de pouvoir donner en fait la couleur au visuel. En fait. C'est-à-dire que dès qu'on nous a envoyé des visuels en couleur, ils sont apparus en couleur dans la revue. Donc on parle effectivement beaucoup de noir et blanc. La première page est en noir et blanc. On a un espace très important pour le texte. Ça aussi, je pourrais y revenir dessus juste après. Mais toutes les images qui nous ont été envoyées en couleur le sont en couleur. Donc ça, c'était aussi un choix. Effectivement, on a quelque chose, on a une maquette assez dense. Mais ça nous a permis de l'autre côté de pouvoir dégager, d'essayer de placer aussi nos pions, de pouvoir dégager de l'argent pour plutôt imprimer les images en couleur. Et un mot du coup sur la place du texte versus l'image. Ça aussi, quand je parlais dès le début de la notion d'identité où on ne se retrouvait pas forcément, nous on avait cette volonté de donner une place au texte très importante. Peut-être que certains nous diront trop. On peut avoir par exemple des articles qui font 14 pages alors qu'on n'avait pas forcément... vu ça dans d'autres revues, il y en a évidemment beaucoup qui le font, mais peut-être pas les revues qui nous intéressaient à ce moment-là. Et c'était vraiment notre volonté de donner un espace important, de faire que les gens puissent vraiment développer leur réflexion jusqu'à la conclusion, jusqu'au dernier mot, et qu'on soit pas dans une sorte de résumé de mémoire, etc. C'était vraiment laisser la réflexion s'étaler sur le nombre de pages qui pouvaient l'accueillir. En tout cas, donc on n'a pas forcément donné de limite. Enfin, la limite, elle est à 15 pages quand même. On a eu des propositions de contribution à 40 pages. On s'est dit, bon, on ne va peut-être pas non plus faire une revue avec seulement deux contributeurs ou deux contributrices. Mais ça, oui, très important, en tout cas pour nous, l'espace accordé au texte. Et du coup, de l'autre côté, l'image aussi, pour rebondir sur un mot qui est très important pour nous, mais qui est à la fois très, très lourd à porter et très lourd à définir, c'est le mot critique. Parce qu'au début, je vous ai dit, on est une revue d'architecture et de société, mais c'est inscrit sur cette première page. Revue critique d'architecture et de société. Donc on voulait vraiment que dans cette revue, il y ait toujours que chaque contribution apporte un regard critique sur la thématique, sur un sujet, sur un thème, et du coup que le texte soit le premier médium critique, mais aussi que l'image participe, que l'image devienne, que le visuel, que l'iconographie devienne un outil critique au même type que l'image. Donc c'était pas seulement légender ou illustrer un article, c'était aussi que les images qui ont été produites, les photographies, les collages, etc., étaient aussi des éléments critiques. Et aussi, du coup, c'était aussi notre volonté d'essayer de diversifier aussi cette notion de critique que nous, on a souvent retrouvée comme étant des grands pavés, des grands essais. On voulait aussi essayer de diversifier cette critique-là en justement donnant une autre valeur à l'image. On a aussi, par exemple,
des publicités, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur cette image, mais on a beaucoup de publicités en fait, qui viennent structurer comme ça l'ensemble de la revue. Et du coup, tout le monde à chaque fois nous pose la question. C'est assez étrange, une revue pirate qui possède en son cœur des publicités. Et en fait, tout simplement, c'est des publicités qui ont été proposées par une agence d'architecture parisienne qui s'appelle Berger et Berger. Enfin, c'est un frère artiste et un frère, et l'autre du coup, architecte. Et c'était une volonté de puiser comme ça dans leurs références de magazines français, allemands, italiens, qui dataient des années 60 aux années 90, et de réutiliser ces pubs et venir les mettre justement dans notre revue pour leur donner un autre rôle, une autre fonction en fait. Elles viennent créer un parcours comme ça dans la revue, elles viennent structurer aussi la revue. Donc ce sont des fausses pubs, hein, pour qu'on comprenne bien. C'est des fausses publicités. Personne n'a payé. Ça, c'est aussi des choses qui nous... On aurait bien aimé, on a tenté, par exemple, vous voyez, d'un point de vue financier, on a tenté de contacter ces organismes qui proposaient les pubs, et en fait, tout simplement, 1950-1990, en fait, il y a tout simplement beaucoup d'entreprises qui n'existaient plus. Parce que c'est que les entreprises, du coup, qui proposent des matériaux de construction, vu que c'était dans des revues... d'architecture. Donc non, ça n'a pas marché de ce côté-là. On aurait bien aimé, mais non. Je reviens un tout petit peu en arrière sur les thèmes que vous abordez. Je crois qu'on a lâché le mot, je le dis parce qu'il apparaît là parmi les posts Instagram, le mot amour, qui est la prochaine thématique. Peut-être un petit mot là-dessus. Alors le mot amour... Non, et un petit mot aussi sur les appels à contribution. Oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Effectivement, donc, on est une revue thématique et on propose en fait... Je pense comme beaucoup de revues, on propose un appel à contribution qui contient des thématiques de recherche. Donc, par exemple, pour le numéro pirate, on avait proposé un appel à contribution avec 6 thématiques qui représentent finalement les six chapitres intérieurs, ce qui va être le cas aussi pour la thématique amour. Donc 6 thématiques comme ça qui vont venir dessiner une histoire d'amour, du fantasme jusqu'à la rupture. Donc c'est pas très heureux, ça se finit dans la rupture, mais en tout cas on voulait traiter comme ça tout le spectre et toutes les couleurs de l'amour, du fantasme jusqu'à la rupture. Et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur ça? C'est qu'en fait, oui, effectivement, quand on choisit aussi nos thématiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux 200 thématiques qu'on peut sortir plan libre, ça nous impressionne aussi d'avoir autant d'originalité. Nous, des mots assez simples, pirate, amour, et en fait, c'est des mots qui sont en fait pour nous des réponses en fait, à l'actualité. Là, on a senti après ces multiples confinements, qu'on manquait d'amour, qu'on manquait d'union, on était plutôt dans la désunion que la réunion, donc on a voulu vraiment traiter ces thématiques de l'amour et de savoir aussi, au centre de ça, comment est-ce que l'architecture pouvait générer de l'amour, enfin l'architecture, l'urbanisme et le paysagisme. Encore une fois, c'est marqué architecture, mais c'est relativement large dans les échelles et dans les disciplines traitées. Alors, Joanne Pouzin, que 200 thématiques, en réalité, un peu moins, puisqu'on l'a dit, c'est assez récent, le fait d'avoir imposé un numéro égale une thématique. En tout cas, sur 200 numéros, uniquement 3 identités visuelles dont vous voyez les deux premières, comparées à l'actuel, qui sont pas si éloignées. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux partis pris graphiques? On peut peut-être les nommer ou... Déjà, les évolutions, elles sont aussi sont des évolutions d'équipe qui vont aussi, du coup, avec l'équipe de la Maison de l'architecture Occitanie-Pyrénées. Donc, c'est des changements dans la ligne éditoriale, des changements dans le comité de rédaction, qui sont assez francs, d'ailleurs, à partir de ce numéro 62. Là, il y a une autre vague qui arrive, une autre forme, et on le voit quand on regarde la totalité. Aujourd'hui, c'est... un graphiste qui s'appelle Pierre Vanny, qui est à la direction artistique de Plan Libre, qui nous a fait les chartes graphiques. Et on travaille avec une équipe qui travaille aussi avec lui, qui s'appelle Document, Document Design, qui sont à Toulouse et qui font énormément de travail en relation avec des architectes ou pour des architectes dans l'édition, et pas que, et qui font partie intégrante de l'équipe de Plan Libre actuellement. C'est-à-dire que les propositions graphiques sont toujours en écho avec la ligne éditoriale. Il y a énormément de conversations et de rencontres où chacun des trois parties, que ce soit MBL Architecte d'un côté, la Maison de l'Archi de l'autre côté ou l'équipe de documents, les propositions sont toujours considérées en fonction de la place du graphique, du texte et des contributions dans l'ouvrage. Les formats, pour autant, les 4 formats que vous nous citiez sont assez chartés, mais beaucoup se jouent dans l'illustration
Et l'illustration, par exemple, sur la couverture, ce qui fait l'effet choc. Tout à l'heure, on a vu que les titres des éditions, des numéros, mais c'est le clash, en quelque sorte, entre une photo ou une illustration et un thème. Donc là, vous voyez Rond-Point, par exemple, avec une très belle illustration. Là, j'ai L'école est finie, qui est le dernier numéro, qui ne se vend plus après. Terrain de jeu. En fait, c'est toujours une confrontation, en réalité, entre quelque chose d'extrêmement... La fin est toujours comme ça. Il y a toujours une partie noire et une partie de texte. Inconnue, ouais. On voit une grange. Ah non, là, la France, fin est, France la Inconnue, fin est c'est, alors ça, c'est quelque chose de particulier, parce que dans France Inconnue, c'était un numéro spécial d'été, il y a un tiré à part. Donc ça, c'est le petit... la petite liberté qu'on a deux fois par an de faire des numéros où on réinvente un petit peu le format et où on n'est plus dans ce projet enquête, critique et portfolio. J'en montre encore une, l'enquête. Qu'est-ce qu'on regarde de mémoire ? On a toujours beaucoup de débats sur les couvertures, sur est-ce qu'il faut qu'elles soient en noir et blanc, est-ce qu'il faut qu'elles soient en couleur. On a statué sur des choses. A priori, il n'y aura plus de photos jusqu'au moment où il y en aura à nouveau. voilà. Alors voilà, celle-là, je l'aimais beaucoup. Mmh. Les formes du capitalisme. Ça, c'est une proposition des graphistes, par exemple, d'utiliser les mains de Mickey sur le fond du dégradé d'Instagram. Donc, des graphistes qui sont partie prenante, là encore, de l'aventure éditoriale. Et qui vont aller plus loin, où là, on est en train de travailler du coup sur un numéro 200. Donc, ce sera un ouvrage, une brique aussi pour nous, de notre côté. Et où, du coup, les graphistes sont pris à partie parce qu'on a entamé une analyse de l'ensemble des archives à travers les différents mots, l'échelle d'illustration, ou toutes les données qu'on peut récolter. Combien de papiers on a imprimé, dans combien d'endroits ça a été distribué, à combien d'exemplaires c'est vraiment sorti, si on devait couvrir une surface, combien elle ferait, etc., etc. Donc du coup, là, les graphistes, ils sont à la tâche pour essayer de représenter, de visualiser ce que veut dire plan libre en termes de données factuelles. Vous en avez fait un sur l'espace aussi, loin de la Terre, je le montre. Ouais. Et critique au dos, ouais. Habiter la Lune. Je crois que ça, c'était loin de la Terre. C'était un de ceux qui marque aussi un tournant dans lequel celui sur les ronds-points se trouve aussi, où on assume complètement le fait que ceux qui nous parlent de projets, qui sont censés être architecturaux, ne sont pas des architectes. C'est-à-dire que là, dans Loin de la Terre, on a les directeurs du CNES, on a des gens qui sont experts de la station spatiale et qui nous expliquent comment on vit dans la station spatiale et comment ça a été conçu pour vivre, quels sont les modules. Il y a des choses intéressantes sur les futurs habitats sur la Lune et sur Mars. De quelle manière il va falloir arbitrairement les rendre gravitaires, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient agréables pour des résidences de un an, pour développer la vie sur des mondes parallèles. Donc on va chercher le contenu là où il se trouve, et il ne se trouve pas toujours dans les mains des architectes. Effectivement. Je le précise pour qu'on comprenne bien, mais là, vous voyez numéro, vous voyez le 1 bleu en haut à droite. Ce n'est pas 1 comme page 1, c'est le numéro 1. Donc là, on est en l'an 2000. Hein. En 2002. 2002, pardon. 2002, mais 20 ans. En 2002, on voit qu'il est à 2 euros. Ça, c'est du coup la bonne nouvelle du jour, c'est qu'aujourd'hui, on augmente le prix. Voilà, donc c'est le scoop. Ça passe à 4. Voilà, donc on est resté jusqu'à 2,50 euros jusqu'à maintenant, jusqu'au mois dernier. Et on peut préciser que c'est également une nouveauté que tous les anciens numéros soient mis en ligne. Vous avez profité des confinements pour faire ça? Absolument. C'est-à-dire qu'au moment du confinement, et là, ça a été aussi une rupture dans la manière de procéder pour la fabrication de plans libres. C'est-à-dire que plans libres, jusque-là, se fabriquaient autour de pizza le mardi midi, une fois par mois. Voilà. Et donc, le comité éditorial se rassemblait et on discutait des sujets qui devaient être publiés dans le futur. Le confinement arrivant, la pizza était impossible, les personnes qui faisaient partie du comité éditorial ne savaient pas forcément comment se servir des outils numériques. On a mis en pause pendant deux numéros et on a décidé
de tout archiver et de tout donner en ligne, et donc du coup de monter une plateforme. Donc Nicolas Housset, c'est noir et blanc, l'épopée c'est bleu et blanc, ça le restera. Quels sont les grands partis pris graphiques de l'épopée? Oui. Déjà, est-ce que ça compte? Oui, pour nous c'était très important d'avoir un bel objet. Donc c'est le graphiste est Frédéric Rosy, avec qui on a vraiment co-conçu le format. Et donc c'est lui qui s'occupe de faire vraiment toute la mise en page et qui a créé le concept. C'est vrai, comme on venait pas de l'édition, ni Julia ni moi, on voulait vraiment que ce soit aussi un bel objet à avoir chez soi, quelque chose d'agréable à lire. Et puis le bleu, à la base, on devait changer de couleur tout à chaque numéro. Et puis, en fait, arrivé le numéro 2 où il fallait choisir une nouvelle couleur, on a décidé de garder ce bleu. Et on aimait bien que ça reste notre marque de fabrique. Et en fait, on a décidé, donc, si vous voulez, chaque couverture en fait, est inspirée des tracés des territoires sur lesquels on va. Je n'ai pas le deuxième là, mais. Et après, il y a un jeu sur la tranche aussi. Donc, quand ils seront tous côte à côte, il y a un jeu qui se fait comme ça sur la tranche. Et en plus, on a en entrée de chapitre à chaque fois. Donc ça, c'est une illustratrice. Illustration de Martha Orzel, c'est ça? Oui, Martha Orzel. Et donc à chaque fois, on a comme ça une présentation du territoire de vie. C'était un peu dans cette idée de guider le lecteur, savoir un peu où il va mettre les pieds dans cette histoire. Et donc c'est elle qui fait toutes les illustrations. Voilà. Et donc sur le numéro 2, où il y a huit personnes, donc il y a 8 cartes à chaque entrée de chapitre. Je veux bien faire un rapide tour de table de tous les trois sur votre rapport aux illustrateurs. Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'ils répondent aux appels à contribution comme les autres? Est-ce que vous allez les chercher? Est-ce qu'ils sont réguliers? Est-ce qu'ils sont intégrés différemment des auteurs? Ou est-ce qu'ils sont à pied d'égalité avec les auteurs? Alors nous, pour l'instant, Martha, elle a fait les 3 numéros. Et donc après... Toutes les illustrations? Ouais, les illustrations d'entrée de chapitre. Et après, à l'intérieur, donc quand ça vient être plus un article. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, c'est un bouquet de fleurs. Ça, c'est une image qu'on a dû acheter. Mais sinon, donc il y a soit des iconographies personnelles, soit on fait appel à des illustrateurs. Pour l'instant, on est resté à chaque fois plutôt dans des deuxième cercle. Nous, on est une dizaine à choisir les sujets. Donc à chaque fois, il y a des gens qui font de l'illustration parmi nous ou de la photo. Donc pour l'instant, on fait comme ça. Joanne Pouzin, peut-être ça vaut le coup de le montrer, hein, là, ce que vous avez sur les... Nous, les contributions graphiques, du coup, il y a le portfolio. Ce qu'on donne, donc on n'a pas d'appel à contribution. Ce qu'on donne aux graphistes de documents, c'est toujours cette partie-là, où c'est une interprétation du sujet par les graphistes qui travaillent sur la revue. Et après, là, particulièrement, par exemple, il y avait quelque chose qu'on aime bien. Voilà, qui est cette partie centrale un petit peu et qui est invitée en fait au même titre qu'un contributeur textuel en réalité. Autre exemple, là, cette une que je nous gardais pour ce moment, la déception de la forme. Ouais, et donc là. Je lis dessin sur écran de téléphone. Jochen Gerner. Ouais. Beaucoup de débats sur cette couverture en interne avec Benjamin Lafort qui est là. Quand on parlait de la forme ou de ce sujet de la déception de la forme, c'était quand même un numéro marathon qu'on a fait en résidence à Arc-en-Rêve cet été. Et du coup, la question de la couverture, alors qu'on avait à l'intérieur 8 sujets radicalement différents et... Puis entretiens, s'est posé forcément, surtout en tant que revue d'architecture. On parlait de séries, par exemple, ou de parce que cet artiste a fait beaucoup de séries de dessins, et ça, c'est des expérimentations. Et en fait, ça, finalement, ça montre assez bien ce numéro. Mais peut-être que Benjamin l'expliquerait beaucoup plus mieux que moi. on ne sait pas trop, en fait, ce que c'est, mais c'est un chien.
mais on ne sait pas comme trop quand même. Comme le test de Rorschach, finalement. Ben oui, mais c'est un chien quand même, mais on ne sait pas trop. Ouais. Nicolas, un petit mot sur les illustrateurs. Alors nous, les illustrations, je dirais qu'on a trois types d'illustrations dans ce numéro 0, et on aura un quatrième type dans le numéro 1. Premier type, c'est des images d'auteurs dont on a dû obtenir les droits. Je ne sais pas si je vais le trouver en direct, par exemple pour le... Il y a beaucoup de pages. Par exemple ici des photographies du fameux palais du facteur cheval dont je vous parlais tout à l'heure, dont on a obtenu du coup les droits. Je ne me rappelle plus de la personne, donc Clovis Prévost, un très grand photographe. Ensuite, ça peut être des visuels qui ont été réalisés directement par les contributeurs. Je pense à celle-ci, par exemple, Clément Vigne, un architecte parisien qui a réalisé cette illustration pour sa contribution, du coup, pour illustrer sa contribution. Et ensuite, le troisième type de contribution, je le considère comme étant un type, c'est les contributions de Quentin Lejong, qu'on a fait beaucoup, du coup, qui fait partie de l'équipe, qui a fait... dès qu'il y avait un manque, en tout cas pour nous, d'illustrations, là, c'est une illustration pour un de ses articles. Donc, il a fait beaucoup d'illustrations pour lui, mais aussi pour les articles qu'on pensait qu'il y aurait eu plus d'impact s'ils étaient illustrés. Donc, c'est vraiment ces trois choses-là. Soit c'est directement le contributeur ou la contributrice, soit c'est des visuels qu'on va chercher quelque part, ou soit c'est Quentin qui produit des visuels. Alors, pour cette dernière ligne droite de notre échange, je voulais vous demander qui pilote, qui lit, qui paye, c'est-à-dire la manière dont vous vous organisez, tant du point de vue éditorial dans la rédaction en chef, que même juridiquement et les modèles économiques qui sont les vôtres. On peut commencer, on peut rester avec vous, Nicolas. D'abord sur la rédaction en chef, parce que vous avez endossé ce rôle-là sans l'être, très fraîchement. Vous nous avez dit un mot tout à l'heure sur l'appel à contribution qui est encore ouvert à date. Qui est fermé depuis le 31 octobre dernier. Donc, oui. De Amour ? Oui. D'accord. On l'avait ouvert pendant un mois, du 30 septembre au 31 octobre. Donc d'accord. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs, du coup, qu'on est un peu en retard. Mais je veux bien que vous nous parliez un petit peu de comment fonctionne la rédaction en chef. J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt en mode résidence. Résidence, c'est-à-dire, j'ai pas le... Non, je me trompe. Non, du tout. Je pense que résidence, c'est plutôt à notre droite, non ? Non, c'est plutôt à ma droite, mille excuses. Non, mais alors, dites-nous ce que ça fait de prendre ce rôle de rédacteur en chef. Déjà, effectivement, ça fait plaisir. De voir arriver les contributions. Ça fait plaisir quand on aime écrire. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui nous anime. En tout cas, il n'y a pas que moi qui écris, mais là... Effectivement, la rédaction en chef, je l'ai pris alors qu'il n'y a pas de, aucune formation. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On a créé une revue à plusieurs architectes alors qu'on n'avait aucune formation de journalisme. On a tout appris sur le tas. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, la rédaction en chef, elle est assez diverse. Elle va de la rédaction de l'appel à contribution, la rédaction du manifeste, des éléments qui appartiennent à la revue, qui permettent de diffuser notre propos. On a aussi quelque chose qui nous paraît assez important dans la revue, c'est qu'on a les articles, mais on a aussi des préfaces qui permettent d'introduire chaque contribution dans la revue. En fait, ces petites préfaces qui font 250 mots environ, elles permettent à chaque fois d'ancrer en fait la contribution dans la revue et dans son chapitre, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. On a une revue chapitrée, il y a toujours 6 chapitres pour le moment, et chaque chapitre constitue un débat, et du coup, les contributeurs et les contributrices, sans le savoir, en fait, viennent débattre avec d'autres contributions. Donc, il y a vraiment toujours une thématique et une problématique par chapitre. Et on a essayé de jouer comme ça un peu avec l'étymologie du mot polygone. Donc, on a un premier chapitre qui s'appelle polysémie, plusieurs sens. Ensuite, octogone, qui est dans nos sociétés actuelles, l'octogone, c'est le lieu de combat, le lieu de débat. Donc, c'est notre débat principal. Ensuite, paragone. C'est la notion de comparer, qui vient de l'italien paragonare, si je le dis bien, qui permet de comparer comme ça et de s'opposer entre différentes disciplines artistiques. Polyglotte, qui est une ouverture sur le monde, donc comment est-ce que
la piraterie est présente dans le monde. Hexagone, comment est-ce qu'elle est présente plutôt en France? Et enfin, le dernier chapitre, polygame ou polygame, ça dépend comment on le lit, qui est plutôt une partie plus ludique, plus drôle, je dirais, mais la critique n'en est pas moins acérée, en tout cas. Et alors, puisque vous fonctionnez en mode appel à contribution et que vous en recevez, est-ce que je sais que vous êtes capable de nourrir énormément vos auteurs, correct? Est-ce que vous êtes capable de couper un peu? C'est la partie la moins facile, mais effectivement, il n'y a pas que la rédaction en chef qui fait ça. Dans l'équipe, ce suivi des contributeurs et des contributrices, c'est vraiment ce qui nous prend 95%, je pense, du temps. 35 contributeurs, donc effectivement, c'est lire tout ce qu'on va recevoir. Et effectivement, dans la mesure où nous, on donne en plus une place assez importante au texte, vous imaginez bien que des articles de 15 pages, on en reçoit quand même beaucoup, en fait. Et donc, effectivement, c'est essayer d'aiguiller au maximum les contributeurs et contributrices. On est effectivement expert de rien, en fait, tout simplement. Donc, on ne peut pas forcément aiguiller en étant on n'est pas chercheur, on n'est pas théoricien. Donc, on essaye au maximum, effectivement, de donner un sens parfois à des propos qui sont hyper intéressants mais qui peut-être manquent un peu de structure, donner des références, etc. Mais c'est plutôt eux et elles d'ailleurs qui nous nourrissent que l'inverse. Mais c'est vrai que ce travail d'accompagnement, il est assez long. Joanne Pouzin, qu'on voit ici l'ours de Plan Libre. Vous, peut-être que vous savez davantage couper... quand les contributions ne sont pas à la hauteur ou qu'elles sont trop nombreuses? Alors, non, pas forcément. En fait, ça dépend du type de contribution. On est calibré et on propose ce calibrage de mots et de signes directement aux auteurs. On a la chance de travailler avec des gens qui sont extrêmement pros. Donc, généralement, ils s'y tiennent. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand ils s'y tiennent pas? Et c'est là où, forcément, il y a des conversations qui se passent et des propositions qui sont faites pour dire tel et tel endroit, on pourrait clarifier le propos, ou on propose de couper ça. Ou, voilà. Et là, on travaille normalement à la coordination éditoriale du côté de MBL, ou nous, de notre côté, derrière, en fonction de qui se répartit les contributeurs. Ça, c'est pour les formats textes. Ouais, non, ça, c'est... Alors, si, voilà. La seule fois où, quand on doit couper et éditer, c'est dans le cas d'interview. C'est-à-dire, comme on travaille en flux tendu et que on... Alors là, pour la peine, donc à l'inverse, on a un mois pour faire un journal à chaque fois. Voilà, donc, quand les contributeurs ne nous remettent pas un texte qu'ils écrivent eux-mêmes, on propose, par exemple, un entretien qui est d'après transcrit, édité, coupé, etc. Et là, il faut qu'on colle au format. Voilà. Pour ça, on coupe. Donc, tout à l'heure, je me suis pris les pieds dans le tapis. C'est vous qui fonctionnez en mode résidence. Et je crois savoir aussi que vous n'êtes pas, vous, sur l'appel à contribution, vous allez chercher les auteurs. Oui, on a fait l'inverse. Ouais. Je crois qu'on a fait deux appels à contribution et c'était difficile. Difficile. Ouais. En quoi? Mais parce que les contributions, elles arrivent libres, que du coup, il y en a beaucoup aussi. C'était des numéros spéciaux sur la recherche qui étaient... d'un seul coup, on n'a plus 4 contributions, on en avait 15. Et là, ça a commencé à être compliqué, en fait, à gérer, parce que c'est... quand on essaie de sortir les choses en un mois, le temps qu'on passe d'aller-retour avec les auteurs, c'est un temps qu'il faut pas... C'est pas que du temps de texte et d'édition, en fait, en réalité. C'est vraiment du dialogue. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, justement, quand on multiplie les auteurs avec des contributions externes. Voilà. Donc, on ne fait pas ça, on va chercher systématiquement les auteurs et les contributions. Je voulais aussi aborder la question du qui paye pour cette dernière ligne droite. On a compris que Plan Libre, vous aviez la chance d'être épaulé par la maison de l'archi Occitanie Pyrénées, que c'est ce qui fait que c'est payant, mais c'est vraiment pas cher, 2,50 €, et on ne peut pas dire que ce soit non plus rentable. Hein, aucun de vous trois, je pense que c'est la poule aux œufs d'or que vous êtes allé trouver. Je veux aussi vous entendre alors là-dessus, et puis sur tout le travail...
l'immense travail qui est le vôtre sur la diffusion, la promotion, la communication, voilà, tout cet à côté qui n'est pas du travail éditorial, mais qui constitue quand même la réalité d'une revue. Je vais commencer, si vous voulez. Oui, donc nous, on est financés à travers la Maison de l'Archi. C'est un projet de la Maison de l'Archi et du coup, c'est 30% de notre financement. Donc ça, c'est ce qui permet de l'asseoir. Par contre, effectivement, de plus en plus, il faut qu'on diffuse. Donc, on cherche les abonnements, très naturellement, et on est aussi diffusé de plus en plus en librairie, alors dans des librairies spécialisées. Et bon, alors là, c'est un peu le truc, le problème du format, c'est qu'effectivement, on ne peut pas être dans les kiosques, mais on voudrait l'être, mais c'est quand même quelque chose qui est entre deux. On n'a pas les financements pour le faire, mais en même temps, ce serait super pour l'architecture, pas que pour nous, quoi. Voilà. Donc ça, ce serait vraiment bien. Les difficultés de diffusion, c'est des vraies difficultés. Mais ce n'est pas que des difficultés de diffusion. Par exemple, le CNL, qui est un organisme qui finance potentiellement les revues, ne peut pas financer une revue comme Plan Libre du point de vue de critères qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins d'images que de textes, ou moins de 50% d'images, et dans les revues d'architecture, du coup, ça, c'est pas possible. Ou il faut que ce soit vendu pour que ce soit aidé, ce qui est aussi assez étrange. Donc, quand c'est gratuit, ben, du coup, c'est pas aidé. Enfin, bref, tout un tas de critères comme ça qui font qu'on passe toujours un peu entre, mais on a de la chance de travailler en confiance, non seulement parmi nous dans l'équipe, mais aussi avec les subventionneurs qui, finalement, sont les financeurs de la Maison de l'Archi qui sont quand même satisfaits du résultat et qui nous portent en fait aussi là-dessus. Et on en revient à la question de l'objet. Je ne voulais pas conclure notre échange sans vous citer sur le fait que le meilleur endroit pour lire Plan Libre, c'était les toilettes. Pardon. Ben, Plan Libre a une tradition de... Voilà, c'est quelque chose qui reste comme ça à côté de dans les toilettes, quelque part où on peut l'attraper, où on a tous les numéros qui sont empilés. C'est une collection, en fait. Hein. C'est comme, mais comme tous les magazines, non ? Absolument. Absolument. Tous les deux, un peu la même question. Vous avez chacun la spécificité d'être passé par la case crowdfunding. Hein, c'est ce qu'on voit là s'afficher. Exactement. Financement participatif, c'était une obligation pour pouvoir déjà sortir ce premier numéro. Là, ça donne l'impression que cette somme est assez immense, effectivement, par rapport à ce qu'on avait pu demander, qui était un 6 000, et du coup, on a obtenu le double. On peut y retirer déjà ce que prend la plateforme KissKissBankBank, très gracieusement. Et ensuite, en fait, il y a un prix d'impression qui est assez énorme. On a aussi fait le choix, je ne sais pas si c'est le cas de Plan Libre et l'épopée, je ne sais pas vraiment, d'imprimer en France. Et ça, effectivement, ça nous a en fait coûté. On est très fiers d'avoir imprimé ce premier numéro-là en France. Là, on se pose très honnêtement la question pour le deuxième. Alors que, voilà, en termes d'éthique, on aimerait bien rester sur la France, mais il y a une crise aussi du papier à l'heure actuelle qui est un peu dure. Donc là, vous voyez, ces 13 000 euros-là, ils sont très, très vite partis. Pas dans des voyages aux Maldives, je vous rassure. Il y a 12 000 euros qui sont restés. Il y a 10 000 euros qui sont partis dans l'impression, et les 2 000 euros restants sont partis pour rémunérer notre graphiste, du coup AICSL, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Et en plus, 2 000 euros, clairement, c'était pas du tout le prix que valait son travail, ça valait beaucoup plus. Donc effectivement, oui, cet argent-là est parti assez vite. Donc à l'heure actuelle, on n'est pas non plus en train de rouler sur l'or. On a effectivement vendu, on a 1250 exemplaires, on en a vendu 1000 à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, il y en a 1000 qui ne sont plus chez nous. Donc, il y en a certainement 250 qui sont dans les librairies. Ça, on essaye de faire des points assez fréquents. Mais voilà, il y en a 1000 en tout cas qui ne sont plus chez nous. Je ne sais pas vraiment où ils sont. Ça nous a évidemment rapporté un pécule, mais qu'on a réutilisé, comme je vous le disais, dans la première réimpression. Un mot, vous êtes aussi constitué, comme votre voisine, en association Loi 1901. Mais je veux que vous me disiez un peu la suite de l'aventure pour Polygone, si c'est pas déflorer le sujet. Je sais pas, ça dépend si ça déflore le sujet, mais effectivement, on aimerait nous déjà en fait vivre de cette. Avant tout, en fait, c'est une passion. On a fait ça par passion, par engagement, parce qu'on considère que
éditer une revue engagée. Nous, on n'est pas forcément engagé à notre échelle, mais on diffuse des paroles engagées. Et on aimerait, effectivement, on a commencé déjà en tout cas à le faire, juridiquement c'est encore un peu bancal, on est en train de le faire, mais de se constituer en maison d'édition en fait. Donc pour pouvoir en fait éditer et créer d'autres projets éditoriaux. On a commencé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec le catalogue de la BAP, donc la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles, qui devrait sortir là en décembre. Donc c'est un premier pas en tout cas dans l'édition d'autres projets, mais ça c'est quelque chose qu'on va continuer de faire. On a déjà d'autres projets qui sont sur le feu, et c'est aussi ça qui malheureusement retarde la parution du numéro 1. Clairement, ça fait partie des raisons principales, mais ça reste des projets qui sont rémunérés, donc qui permettent de faire vivre aussi ce projet qui n'est pas rémunéré. Donc c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, donc on prend du retard, mais en fait ça nous permet aussi de continuer l'édition de cette revue en fait, qui nous passionne. En tout cas, on aimerait à long terme toujours avoir cette revue, mais aussi avoir des projets éditoriaux à côté en fait. Combien coûte Polygone? Le prix de vente, ouais. Effectivement, 30 €. Donc c'est pour ça que c'est un prix assez. C'est le prix d'un bel objet. C'est assez important, mais on est encore une fois en dessous de. Si on voulait vraiment atteindre la. Du coup, je n'ai même pas le mot parce qu'on le connaît pas, d'atteindre la. Rentabilité. La rentabilité, oui. On serait plutôt sur un 40-45, et du coup, là, ça devient inaccessible en fait, parce qu'on a aussi cette volonté de toucher un lectorat étudiant. Donc. Emmanuel Pardini, même question, vous êtes aussi passé par la case crowdfunding. On souligne aussi, vous l'avez dit, que vous aviez été subventionné par des porteurs de projets divers, de nature diverse. Oui, donc le tout premier, on a fait une campagne de financement participatif, donc ce qui a permis de payer le graphiste, donc Martha Orzel, et les impressions. Donc voilà, et nous on avait édité à 500 exemplaires et on est au tarif de 12 €. Donc on voulait vraiment quelque chose d'un prix accessible. Le premier, il nous en reste plus beaucoup. Et après, donc le deuxième, donc on a remporté, oui, un appel à projet. Donc c'était 8 000 €, alors que c'était gigantesque pour nous après une année comme ça, vraiment totalement, avec très peu de budget. Mais au final, il reste vraiment plus grand chose à la fin. Et puis le troisième numéro, donc là oui, on a eu beaucoup plus de financement, mais à côté, au final, on a fait beaucoup de partenariats, beaucoup de mobilisation habitante. Au final, je pense qu'avec le recul, vraiment la partie revue, objet, écriture, on est en bénévolat total. Et c'est plus sur le reste où on a pu se dégager une rémunération avec Julia. Et puis finalement, donc on est en association. Pour le prochain, on s'est dit qu'on revenait à quelque chose de totalement bénévole, pour que ça redevienne vraiment un objet de plaisir à faire. Donc voilà, mais c'est sûr que on voit bien. Bah dans l'édition, tout le monde disait vous êtes fous de vous lancer dans un objet, imprimé. Et en fait, c'est vrai que le modèle économique est très très, très compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait par passion. Et puis voilà, là on est une dizaine de personnes à écrire bénévolement. Et là, ça y est, on peut payer les gens qui illustrent, des photographies, ça c'est déjà aussi un plus. Et on va voir l'an prochain ce qu'on fait. Et sur la diffusion, faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus. Mais on a dit, nous on travaille toujours à côté. C'est un vrai métier, c'est pas facile, c'est un vrai travail de fourmi d'aller voir les librairies les unes après les autres, de faire du dépôt, négocier le pourcentage, me retourner après, appeler les uns après les autres pour savoir combien ils en ont vendu. Donc il y a eu cette question de prendre un diffuseur, mais quand on est tout petit comme ça aussi, les diffuseurs qu'on intéresse, il n'y en a pas beaucoup. Souvent ils veulent de l'exclusivité, nous on en fait quand même pas mal de ventes en ligne. Donc il y avait toute cette question. Et après le deuxième, on a été bien vendu parce qu'on est énormément vendu à l'EHPAD en fait, où on était. Public captif, ça s'appelle dans le marketing. Exactement. Donc ça, c'était bien. Et après, nous, on a aussi quelque chose qui est problématique, c'est le fait qu'on soit comme ça sur un territoire. Aller voir une librairie à Marseille,
Elle va avoir du mal à se dire, nous, un truc sur, enfin, quelque chose qui parle de la Normandie ou de la Brenne, ça ne nous intéresse pas trop. C'est aussi pour ça qu'on voulait un numéro, voilà, Nanterre, l'Île-de-France. On s'est dit qu'on commençait à avoir aussi un panel de territoires où là, on arrivait avec un catalogue et on pouvait commencer à intéresser des librairies dans plusieurs endroits en France. Mais c'est clairement quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler pour être diffusé. Super, merci pour vos témoignages. Peut-être avez-vous des questions ou des interpellations dans la salle ? Ou vous sur scène ? Une dernière réflexion à partager. Ouais, mais du coup, je suis désolée d'avance, en fait, parce que... une de mes réflexions, c'est que d'un seul coup, je me dis, outre l'envie de faire quelque chose, donner la parole à certains, je me dis, pourquoi on publie de l'architecture ? À quoi ça sert, quand même ? Parce que c'est quand même... Non, mais... De conclusion. Mais non, mais parce que... C'est, en fait, non, mais on n'en a pas parlé dans le sens où on a parlé de la forme qu'on donne aux choses, on a parlé... du contenu ou de la manière dont on l'aborde, mais en fait la question de pourquoi on publie autour de l'architecture, finalement, elle est pas c'est pas donné d'avance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques dizaines de revues d'architecture, alors que l'architecture et l'urbanisme sont l'environnement au quotidien. Donc la manière dont on l'appréhende, il y en a plein, et c'est génial qu'il y ait une diversité, mais en fait je pense que c'est essentiel d'en parler et de continuer de le diffuser, mais de le diffuser bien au-delà de notre propre profession. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut se féliciter que l'épopée soit lue dans les EHPAD, que Plan Libre cherche à atteindre de nouveaux lecteurs, que Polygone perce sur les réseaux sociaux et s'ouvre à différents corps de métier. Effectivement, je pense que ce sont d'excellentes nouvelles si on arrive à intéresser... de nouveaux publics toujours plus larges. Oui, non, moi j'allais dire, c'était un des plus beaux de nos compliments, je crois. C'était à l'EHPAD des aides-soignantes qui disaient qu'elles lisaient pas beaucoup et qu'elles avaient dévoré Micheline et qu'elles avaient adoré. Parce que nous, c'est des articles très courts. Pour le coup, on a cette contrainte de pages en miroir, on va jusqu'à 3 pages, 4 pages, mais on a de l'illustration, voilà, des photos. Donc c'est assez léger à lire. Et on était vraiment super contente de dire qu'on avait vraiment réussi à toucher un public large qui aurait jamais, enfin qui aurait pas forcément été vers des articles sur l'architecture où on s'interrogeait sur des questions de territoire en Normandie. Très bien, oui. Merci. Moi, j'ai une question et j'aurais beaucoup de mal à la formuler. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une tribune il y a quelques semaines dans AMC qui partait d'un échange entre David Chipperfield et Herzog et de Meuron sur l'autonomie ou l'hétéronomie de l'architecture. Et la tribune, qui était portée par Mathias Rollo, défendait une vision hétéronome de l'architecture, donc l'architecture qui ne serait pas une discipline autonome et sourde au monde qui l'entoure et à la société, pour reprendre le terme de Nicolas. Et ce qui m'a étonnée, enfin étonnée, c'est pas le bon mot, mais en vous entendant tous les trois, c'est combien finalement les projets de revues que vous présentez, enfin les revues que vous présentez, se situent dans un rapport, et c'est Joanne qui l'a très bien dit, genre finalement on demande à des personnes non architectes de venir nous renseigner sur... En fait, comment recréer, habiter un espace domestique dans des conditions, les conditions spécifiques que tu évoquais. Et chacun d'entre vous a parlé de cette condition finalement hétéronome de l'architecture sur laquelle, enfin, que semblent défendre vos revues. Et je me demandais si c'était quelque chose qui était spécifique à ce médium-là. Est-ce que finalement le médium de la revue forcément se positionne sur cette manière de regarder l'architecture ou est-ce que finalement on pourrait très bien trouver des revues d'autonomistes assez facilement et peut-être que du coup ma question tombe complètement à côté de la plaque. Qui souhaite rebondir ? C'est difficile de répondre.
C'est vrai qu'il y a il y a plusieurs questions, il y a des réponses aussi dans cette question. Effectivement, nous, on est convaincus que cette architecture contemporaine, elle est un petit peu trop autonome. Et un des mots aussi qui nous marque, nous, c'est le mot mystification. On a vraiment cette impression que les architectes produisent des bâtiments, mais on est censé les comprendre en les regardant, en fait. Il n'y a pas ces explications, il n'y a pas ce petit cartel comme dans le musée où déjà on comprend quels sont les matériaux, quelle est l'année, etc. Et en tout cas, nous, on a eu cette chance dans le premier et aussi dans le second d'avoir des architectes comme Yves Dreyer, qui vient d'une agence d'architecture suisse, qui a vraiment expliqué, en fait, qui a analysé sa pratique. Et ça, on pense que c'est très important, justement, que ce genre de revue tombe dans les mains de personnes non architectes, je ne sais pas comment on appelle ça, des personnes non architectes. Enfin, j'ai pas le mot. Je sais que c'est un mot négatif, mais de simples mortels. Exactement. Des moldus. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et pour répondre à l'autre question, c'est assez étrange de dire ça, mais j'ai pas l'impression que la revue papier, ça soit le meilleur médium pour désautonomiser. Je sais pas comment, quel mot trouver ou quel verbe. Plutôt la vidéo. Enfin, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On a même des hommes politiques maintenant qui sont sur TikTok, et l'architecture, je pense qu'elle n'y est pas encore et elle gagnerait peut-être à y être pour essayer de toucher un peu d'autres publics. Donc la revue papier, je ne suis pas forcément sûr que ce soit. C'en est un, mais si on veut toucher un public plus large et peut-être plus jeune, on sait que les réseaux sociaux, en tout cas, sont là. Joanne Cousin, vos réflexions sur la question ? Ouais, mais là, du coup, c'est plutôt un point de vue personnel, mais moi, je n'ai jamais perçu l'architecture comme étant quelque chose d'autonome, où j'ai pas l'impression, ou si je l'ai fait, je m'en excuse et j'ai grandi et voilà, c'est terminé, mais parce que c'est en relation avec tout en réalité, donc du coup, pour moi, je vois pas le lien avec par exemple la revue papier ou le rôle de la revue papier de désautonomiser. Je pense que ça, c'est plutôt le rôle des écoles. Ce serait quand même vachement bien que d'un seul coup on redescende un petit peu sur le dieu architecture et qu'on regarde un petit peu le reste. Et ça se passe en fait, c'est actuellement. Non, parce qu'il y a beaucoup de sciences humaines qui interviennent maintenant dans beaucoup plus dans l'architecture, où on regarde ça de plus en plus dans tous les vivants, etc., etc. Donc on va faire en sorte que la revue continue de prôner l'hétéronomie de l'architecture. Mais ça a toujours été le cas, je pense. Ultime question ou réflexion, s'il n'y en a pas. Il me reste à vous remercier infiniment tous les trois et à vous remercier toutes et tous pour votre écoute attentive. Merci. Et excellente soirée, on peut poursuivre la conversation autour d'un verre juste dehors. Un petit mot de conclusion. Merci, grand merci vraiment, parce que c'était un échange que j'ai trouvé passionnant. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé aussi. La programmation de la Maison de l'Architecture est dense et les Journées nationales d'architecture arrivent donc dans 10 jours aussi. Il y aura beaucoup de choses qui se passent au Récollet. Je ne sais pas si Léa Mosconi, présidente de la Maison de l'Architecture, tu veux continuer pour préciser cette programmation, mais le lieu a beaucoup de choses encore. Non, bah dans 10 jours, on a deux expositions, une sur la maquette et l'architecture et une qui s'appelle Décor dans